C'est une présentation que j'ai pas pu travailler très longtemps parce que j'étais en arrêt pendant, voilà, pendant un mois et je reviens à peine. Mais quand même, je voulais vous faire passer certains messages à l'attention des chercheurs qui sont avec nous. Donc c'est voilà, une présentation qui s'intitule Forme de collaboration SHS, modalités et points de vigilance. Pour vous dire que en fait, toutes les collaborations sont ouvertes hein, et avec qui vous voulez. Donc les entreprises, des associations, des collectivités, on rencontre tous les cas de figure possibles. Mais on en parlait hein, tout à l'heure avec Grégory. Dès les premiers contacts, nous, ce qu'on vous recommande, hein, c'est de mettre en place un accord de confidentialité. Et tout ça, voilà, ce sont les services hein, de l'université ou de la SAT. Qui peuvent s'en occuper. Hein. Mais voilà, dès lors que vous commencez à discuter avec l'extérieur, nous on vous conseille pour pas être bloqué par la suite, pour pas que vous fassiez pas piquer certaines voilà certaines idées, on vous conseille de mettre en place ce type d'accord. Lorsqu'on décide d'aller plus loin, donc de travailler hein, avec un partenaire. La collaboration, elle est à formaliser. Alors, ce sont des conventions de collaboration, des accords de consortium ou autres. Et tout ça, c'est à formaliser. Alors, pas pendant les travaux, mais avant. Voilà, on en discute avant, comme ça on met bien sur papier les connaissances antérieures, qui apportent quoi et vers quel résultat on va aller ensemble. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui se prévoit donc avant une collaboration. Alors s'il y a un programme de comaturation à la SAT, c'est un autre moyen hein, de collaboration. Donc tout à l'heure je vous parlais de maturation. Là c'est lorsque la SAT investit seule sur un projet. Et on parle de comaturation quand on investit à deux sur un projet. Donc, je vous ai cité l'exemple d'Optimizy hein, tout à l'heure, le projet startup. Et pour ce projet, on s'est associé à un startup studio, donc à la Crité, hein, qui est ici à Lille, qui a salarié disons, les futurs fondateurs de la startup. Donc, ils ont recruté deux développeurs informatiques. Nous aussi, on avait recruté un développeur, plus il y a eu aussi des stagiaires hein, sur le projet. Donc ça nous a permis voilà, d'avancer rapidement sur le développement du projet. Voilà, c'est une mutualisation qui permet à ce que la SAT prenne moins de risques et le partenaire aussi. Donc finalement, tout le monde est gagnant quand on monte ce type de contrat de comaturation. Donc attention à la divulgation, donc c'est vrai qu'on en a parlé hein, aussi. Donc vos résultats de recherche, vous le savez, mais voilà, on le rappelle, hein, ils ont de la valeur pour la valorisation. C'est vrai que s'il y a divulgation, le futur partenaire, il ne va pas s'aligner ensuite hein, sur un programme de maturation et encore moins sur une licence. Hein. Moi, c'est arrivé récemment encore sur un projet où les chercheurs voilà, ont divulgué en open access des résultats d'un accord de consortium d'ailleurs. Et bon, malheureusement, on a voulu nous monter un programme de maturation par la suite voilà, pour aller plus loin. Et ça n'a pas pu se faire, hein, puisque voilà, les partenaires avaient tout ce qu'il fallait finalement déjà pour. Ils avaient les résultats en open access, donc c'était parfait pour eux, quoi. Ils n'avaient pas besoin de nous pour aller plus loin. Et donc voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci. Bien, donc
Je disais donc que je vais clore ces journées Valo en tant que directrice de la Mèche. Hein, je voulais d'abord dire que je suis très heureuse qu'elles aient lieu, ces journées Valo SHS. Ça me paraît extrêmement important à maintenir et développer quelque chose qui soit propre aux SHS, puisque les SHS ne sont pas toutes très tournées vers la Valo. J'en sais quelque chose en tant que pure littéraire, puisque je suis médiéviste, et je trouve qu'il y a un travail important à mener, ce que nous allons également reprendre. Je voulais aussi, juste avant de conclure, hein, c'est vraiment une petite conclusion, remercier Sébastien Alung d'avoir un petit peu au pied levé assuré la présentation de ce début de journée. Merci beaucoup. Puisque, comme vous le savez, certains d'entre vous le savent, Kamel Badar, notre chargé de Valo, a dû nous quitter pour des raisons de santé. Et donc, nous n'avons plus actuellement de chargé de Valo à la Mèche, ce qui, j'espère, ne saurait durer. Parce que, encore une fois, la valorisation est extrêmement importante pour les MSH. Donc je voulais juste conclure, et notamment pour ceux qui pourront accéder à ces journées par le biais du film, par Internet. Donc ça, c'est peu utile, hein, puisqu'on a vu tous les acteurs aujourd'hui, mais juste pour rappeler donc les acteurs qu'on peut solliciter lorsque l'on souhaite monter un projet Valo en région, en dehors de la Mèche. Donc, bien sûr, hein, les services de recherche et de valorisation des différentes universités. Aujourd'hui, nous avions des services de Lille, mais nous avons également pu échanger avec les services d'Amiens, notamment, et de l'Artois, puisque nous avons eu deux journées à Amiens précédemment. La délégation régionale de l'INPI qui est tout à fait présente, la SATNOR également. Et puis la Mèche. Donc, je vais juste terminer sur ce que propose la Mèche pour clore. Un certain nombre de choses. Donc, tout d'abord, je disais veille et information sur les AAP Valo, bien sûr. Hein, il s'agit de transmettre aux chercheurs les AAP Valo lorsqu'elles sont mises en ligne, hein, notamment. C'est important, je le rappelle, parce que la Mèche fonctionne sur toute la région, ce qui permet d'inciter à monter des projets en région entre universités, puisque bien sûr l'information circule également à l'intérieur des universités, mais le fait que la Mèche diffuse ces éléments peut permettre des projets, des réponses à ces AAP qui sont des réponses groupées. Oui. À développer du coup des projets de valorisation pour l'ensemble des laboratoires de Lille. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Donc, l'appel est en cours et le rendu est clôturé pour le 27 octobre. Ça laisse encore un petit peu de temps. Ça laisse encore un peu de temps. Non, c'est très bien de le mentionner. L'organisation, bien sûr, des journées SHS Valo, hein, vous l'avez ici, hein, avec des supports vidéo. J'insiste, hein, sur le fait qu'effectivement, ici, on peut rencontrer des chargés de Valo des différentes universités. Hein, c'est aussi vraiment le lieu de rencontrer et d'échanger avec les chargés de Valo. D'abord, de les identifier, parce que ce n'est pas toujours le cas, et puis de pouvoir les rencontrer en direct. Je suis très heureuse, d'ailleurs, qu'effectivement, ça puisse avoir lieu aussi maintenant, à nouveau, après la pandémie, en vrai, si on peut dire. La remise des prix valorisation Mèche junior et senior, 5 000 euros à chaque fois. L'an dernier, par exemple, nous avons remis le prix junior à Madame Julia Frotté, qui travaillait sur les territoires de l'automobile électrique dans la région Hauts-de-France, par exemple, hein, pour vous donner un exemple de ces prix qui ne sont pas négligeables, hein, et qui doivent aider à poursuivre un travail en Valo. Il s'agit de récompenser, bien sûr, d'une part, mais aussi de donner les moyens à poursuivre des travaux de valorisation, notamment à des jeunes chercheurs. Des ateliers et des formations Valo, alors qui sont souvent couplés à d'autres formations, notamment dans le cadre des ateliers d'écriture de projet. Hein, il y a une extension Valo, hein, si on peut dire, qui permet bien sûr de commencer à réfléchir à cette dimension de valorisation. Là aussi, je trouve que c'est important, notamment pour les doctorants qui participent à des projets, puisque les doctorants ne sont pas toujours conscients justement qu'il peut y avoir une extension Valo à leurs travaux. Donc le fait de participer à des ateliers de montage de projets avec évidemment des chercheurs seniors, hein, permet tout de même d'accéder à ces notions de Valo. Nous avons également un coaching personnalisé
qui est possible hein, à la demande. Et puis, nous avons une formation qui s'appelle Sprint Podcast, je vais y arriver, qui est là aussi essentiellement tournée vers les stratégies de communication, mais qui, évidemment, peut servir dans des projets Valo. Nous avons également deux autres types de soutien. Un à AP Valo en partenariat avec la SatNor, donc qui n'a pas pu avoir lieu l'an dernier, mais qui va reprendre. Et puis un soutien effectivement à la boutique des sciences pour un projet qui est tourné vers la recherche participative. Donc nous participons également plus obliquement hein, au soutien de projets Valo. Il faut ajouter également la publication d'articles de présentation de résultats dans la presse régionale. Nous avons un accord avec le Courrier Picard, ce qui permet... Alors, on est toujours à la limite, là, mais ce sont des points intéressants. S'agit-il de médiation? S'agit-il de valorisation? C'est un petit peu entre les deux. Hein. Mais en tout cas, ces articles de vulgarisation permettent de faire connaître les travaux des chercheurs et puis de montrer que ce sont des travaux qui sont utiles à la société. Ça fait aussi partie de la valorisation. On avait parlé de valorisation sociétale. Ça fait aussi partie de cette connaissance de la valorisation sociétale de la recherche. Donc ces articles sont effectivement très utiles. Et moi, j'incite toujours les chercheurs qui ont travaillé avec la Mèche hein, à nous fournir hein, de petits articles pour le Courrier Picard. Et puis enfin, bien sûr, hein, dans les AAP Mèche, hein, nous incitons à la collaboration et nous suggérons hein, d'éventuelles poursuites en valorisation. Voilà, donc il ne faut pas hésiter, bien sûr, à s'adresser à la Mèche, qui est en relation, bien sûr, avec les autres services et qui peut aussi servir un peu de plateforme de renvoi vers les différents services et puis tout simplement de formation initiale à la valorisation. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie encore d'avoir participé. J'espère que de nombreux chercheurs verront ces images. Et puis... nous poursuivons ce développement Valo. La Mèche va évidemment essayer de remonter de façon très complète son service Valo, puisque là, nous avons perdu notre chargé de valorisation. Voilà. Merci à tous.